pas mal. Je dois plus être très loin. Reste plus qu'à trouver le matos pour Weaver. Oh, je dois pas être loin d'un nid. Je le sens. Tu vas bien me servir. Du polystyrène. Il m'en faut plus. Faut plus. Encore un peu. Ça va chauffer. Juste un peu plus. Les primes. Encore un morceau.
Ça devrait suffire. Je vais marquer l'emplacement sur ma carte. Courir, on verra des hommes pour le reste. Bon. Il faut que je dégage d'ici, avant de tomber sur une horde. Hey, j'ai le matos que vous vouliez. Ah, bien, bien, bien. Posez-le par là. Je vais prendre un morceau. Voilà. C'est bon. Alors, comment ça se passe avec le lieutenant Whittaker? Comment ça? Je vous vois aller venir, mec. Vous passez votre temps à lui rendre service. Ouais, je fais juste mon taf. Ok, j'ai essayé de me la faire, hein, quand j'ai débarqué au camp. Ah ouais? Ok, oui. J'ai pas pu m'en empêcher, là, un beau petit cul. Un sacré petit cul. J'adore les petits culs. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien de bon, mec. Elle m'a plaqué au sol et a bien failli me casser le bras. Un bon conseil. Restez sur vos gardes avec elle. Cette meuf est brutale. Ouais, ouais, je... Je tâcherai de m'en souvenir. Besoin d'autre chose? Non, mais prenez ça et suivez-moi. Elle a un joli petit cul. T'as besoin de quelque chose? T'as quelque chose à dire? Le polystyrène est un hydrocarbure aromatique, alors que l'essence est un simple hydrocarbure aliphatique. Essayez un peu de répéter ça. Bref, quand on les mélange ensemble, les chaînes de molécules se brisent en liaison covalente. Ouais, tout le monde sait ça. Salami, c'est un molotov au napalm, et c'est grâce à ce petit joujou qu'on va gagner cette guerre. Quand j'aurai peaufiné la formule, cette merde brûlera plus fort qu'un chalumeau. Vous imaginez? Oui, j'imagine plutôt bien. J'ai bossé dans un garage. Besoin d'autre chose? Non, c'est bon. On y est presque. Boum! Ça va faire des étincelles! Ils vont avoir chaud aux fesses!
c'est ce que tu veux. Non. Caporal. Bonjour, sergent. Vous en avez pas mal. C'est tout. Caporal, faites attention à vous. Hé, hey, caporal, ça roule ? Salut, sergent. Allez, mine-toi, j'ai pas que ça à foutre. Eh, t'as le droit, c'est dans le deuxième amendement, c'est pas vrai? Ah voilà, j'aime mieux ça. Hé, hey, caporal, fais-moi plaisir et évite les problèmes. Caporal St. John. Salut, sergent. Hé, hey, tu veux que je remplisse ton réservoir? Bon, comme tu veux. Hé, hey, caporal, on se voit plus tard. Oh, caporal, quoi de neuf? Aux ordres, capitaine. Ah, de la viande. Et voilà.
putain d'essence. Et voilà. Ça y est. Ok, ça y est. C'est ça. Rien de tel que la ferraille. Colonel, je l'ai repéré. C'est bien lui. Rappelez-vous, caporal, je le veux vivant. Oui, mon colonel, je le capturerai. Terminé. Allez, allez, pourriture! Merde! Non! Caporal, écoutez-moi! J'ai rien fait, je le jure! Vous entendez? Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Ouais, de la ferraille. Toi, tu vas bien me servir.
l'essence. Ah, et voilà. Voilà. Bon, par où? T'es à moi maintenant. Colonel, je l'ai repéré. C'est bien lui. Rappelez-vous, caporal, je le veux vivant. Oui, mon colonel, je le capturerai. Allez, allez, pourriture! Merde! C'est quoi ton problème, hein? Déserter, c'est une chose, mais t'avais pas besoin de buter deux mecs pour ça. Lâchez-moi, pitié! Laissez-moi partir! Je vous dirai où j'ai tout planqué, j'irai... Désolé, mon gars, c'est entre toi et le colonel. Colonel, je le tiens, vivant. Je vous transmets les coordonnées. Bien, caporal, j'envoie une patrouille. Vous faites tout. Revenez vers moi plus tard. Non. Terminé. M'abandonnez pas.
Sarah ? Oui, pose-moi ça sur le comptoir. Ok. Oh, excuse-moi. C'est... Toute cette situation est vraiment très frustrante pour moi. Oui, bien sûr. Il me faut un autre formulaire de réquisition. Non, tu sais quoi ? Je vais pas te le donner, celui-là. Hein ? Pourquoi ? Parce que je vais t'accompagner cette fois. Allons-y. Au trot, soldat. On va voir si tu tiens le rythme. Tu rigoles. Ça remonte à quand, la dernière fois que t'es sorti ? Dans le No Man's Land, je veux dire. Eh, j'ai fait mon lot de missions de ravitaillement. Comme tout le monde. Mais j'avoue que ça date. T'as une bécane, au moins ? Oui, mais... Je pense que je vais monter avec toi pour cette fois. Comme ça, on risquera pas d'être séparés. Chef, oui, chef. Arrête un peu avec... Hé, hey, tu... T'es déjà entré dans l'arche ? Quoi ? Les grottes ? Ouais. Le colonel m'a fait faire le tour du proprio à mon arrivée. Allez, tu dois bien reconnaître qu'il a été prévoyant. Toutes ses réserves, ses préparatifs, ses objets sauvegardés... Ouais, j'avoue. Cette île est une putain de forteresse. Y a rien qui pourra rentrer sans sortir l'artillerie lourde. Exactement. Là, voilà ma tente. Waouh, belle piole. On sent la touche féminine. C'est ça. Je passe peu de temps ici. Généralement, je dors sur un lit de camp au labo. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça fera bien l'affaire, ça. Matt me l'a offert quand je me suis enrôlée. Matt ? Le colonel. Arrête ton cirque, Deacon, c'est juste un flingue. Prenons par là. Je voudrais te montrer quelque chose. Je te suis. À mon arrivée, la milice avait abattu quasiment tous les arbres de l'île. Je demandais à Matt, au colonel, d'épargner celui-là. Ah bon ? Pourquoi t'as fait ça ? Tu te souviens du week-end où on est venu ici ? Crater Lake, après notre mariage. Ouais, je me souviens. Je me souviens de m'être demandé combien de temps il avait fallu pour que la lave refroidisse, que le sol se forme, et que ces arbres poussent après l'éruption du mont Mazama. Quand tout sera fini, quand on quittera cette putain d'île, je veux qu'il reste au moins un arbre. Écoute, ces types n'ont rien à battre, tout ça. Je l'ai traversé, moi, leur zone morte. Le colonel se concentre sur un objectif, gagner la guerre. Et plus vite j'aurai terminé, plus vite il arrêtera de tout réduire en cendres. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, rien, c'est juste que... Non, oublie. Tiens-toi, Tiens-toi à moi. Je me souviens. Il y a une école à l'est d'ici, pas loin de l'autoroute. Tu vois de laquelle je parle ? Ouais, ouais. Passons par le pont sud, ça sera plus rapide. T'as raison. Eh, hey, je voulais te demander, tous ces trucs, la levure, le silicate... À quoi ça me sert ? L'arme sur laquelle je travaille est un virucide. Si je parviens à isoler le virus provoquant la mutation cellulaire, je pourrais le tuer. Ok. Question ? Après cette nuit-là, à Farwell, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu t'en es sorti ? On a bien failli y rester. Quand les fédéraux sont partis, les survivants ont commencé à monter des barrages routiers.
Et à abattre les gens à vue. On a fini par rejoindre le camp de réfugiés où... on pensait te retrouver, mais... comme je t'ai dit, il était complètement envahi. On a essayé d'autres camps, mais c'était pareil. Aucun survivant. Ils avaient tous été submergés. Moins d'une semaine, toute la vallée était à feu et à sang. Les gens s'entretuaient. On des miettes. Sans vraie raison. Si Boozer et moi, on n'était pas restés ensemble, je pense qu'on s'en serait pas sortis. Attends, Boozer est en vie? Où il est? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, il est en vie. Mais il est dans un camp au nord. Il peut plus conduire. Il a perdu un bras. Et il a survécu. Je suis vraiment heureuse qu'il ait survécu. Désolé, j'aurais dû te demander avant. C'est pas grave. Ok. À moi! Écoute. Ça va te sembler débile, mais... ce soir-là, à Farewell, à Bac des Mongrels, tu l'as toujours? Deacon, je suis désolé. Ça fait partie de la politique du colonel. Il confisque tous les bijoux à l'arrivée au camp. Il fonde l'or et l'argent pour le projet de... de Weaver ou un truc du genre. J'ai oublié les détails. Je suis vraiment désolé. Non, non. Je pensais à voix haute. C'est pas important, t'inquiète. Voilà, je crois qu'on y est. T'es déjà venu ici? Une fois, avant tout ça. Aux journées portes ouvertes, ils m'ont invité pour parler des débouchés dans le secteur de la biochimie. C'est dingue. Quoi? Rien, c'est juste... un séminaire sur comment survivre à l'apocalypse aurait été plus utile. Allons-y. Comment on va faire pour passer? On cherche un autre accès? Non, attends. Je vais te faire la courte échelle. T'es prête? Ouais. C'est bon. Ouais, j'y suis. Tiens, attention à ta tête. Ok. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était l'un des premiers camps de survivants. Ils l'ont installé avant de comprendre que les hordes aimaient traîner le long des autoroutes. Ils étaient morts bien avant que j'arrive. Ça doit grouiller de mutants par ici. Ouais. Tu sais où on doit aller? Comme je te l'ai dit, je suis venu qu'une fois. Mais le département des sciences est par là. Ah, oh, des tétards, merde. Ok. Bon, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai aucune envie de les rameuter. On sait même pas ce qui nous attend à l'intérieur. On sait ce qu'il y a à l'intérieur, des saloperies de tétards. Viens, fais le tour. On passera pas par là. Ceux qui vivaient ici ont bien barricadé les lieux. T'es par ici. La porte est fermée, mais elle a pas l'air condamnée. Tu peux la forcer? Je dois pouvoir... caler ça là... C'était pas si dur. Par ici, la voie est libre. J'arrive. Viens, aide-moi à déplacer ça. Ok, attends. Prête, pousse. Ok. T'es prête?
Ouais, allons-y. Une meute. Oui. Il faut qu'on trouve un autre accès. Non, attends, une minute. C'est jouable. Quoi ? C'est jouable. Si on y va en même temps, ils vont tous nous tomber dessus, du coup... Attends, je crois que j'ai une bonne idée. Et si tu montais là-haut, pour faire un tir de couverture, tu descends les traînards et je me charge des autres. T'es vraiment sûr de toi ? Ouais, je perds souvent comme ça. Fais pleuvoir les balles en continu, d'accord ? Deacon. Quand je serai passé, referme bien derrière moi. Entendu. Descendre. Non, on a géré comme des chefs. Les coups de feu vont en rameuter d'autres. Ouais, mais on sera déjà parti depuis longtemps. Et maintenant ? Je sais pas. Ils ont sacrément bien barricadé les lieux. Essaye de voir s'il y a une brèche dans l'un de ces murs, par laquelle on pourrait grimper. Ok, je regarde de ce côté. J'arrive. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Deux secondes, je te trouve de quoi monter. Sarah ! Attends ! Je cherche quelque chose à te lancer. Mais merde ! Non, Deacon ! Oh putain de merde ! Merde ! Faut que tu me trouves de quoi monter, là ! J'y travaille ! Comme ça. Je sais pas. Tu sais quoi ? Ça me rappelle que t'essayais sans arrêt de me renvoyer à l'école. Ah ouais, hein ? C'est vrai. Voilà ton souhait exaucé. Mieux vaut tard que jamais. C'est bon. Merci. T'es prêt ? Mmh. En avant. Bon. Laisse-moi passer la première cette fois. À vos ordres, chef. On dirait qu'une bombe a explosé ici. Ouais, c'est pas impossible. Bien, je pense qu'on peut passer par là. T'es bloqué. Attends, je vais... Non, je m'en charge. Je gère. Tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, je répète. Je gère. Ouais. Bien joué. Merci. Sinon, t'as vraiment...
vraiment besoin de cette machine? Allez, on y est presque. Pas question d'abandonner maintenant. Moi, je dis ça... Je comprends mieux comment les mutants sont entrés. J'en connais un qui savait pas se garer. La voie est libre. Merde. Encore des barricades. Il y en a partout. Allons voir les bâtiments. J'aperçois le département des sciences, là-bas. Faut juste passer ces barrières. Hé ! Une autre fenêtre ouverte ! Je la vois. Bien, je te refais monter. Mais cette fois, essaie... De trouver de quoi te faire monter plus vite. Exactement. C'est bon. Bon, attends. Oh, et essaie de pas attirer les grouilleurs cette fois, d'accord? Ouais, ouais, je vais voir ce que je peux faire. Il en venait de partout. Tout va bien. Ça va, tout va bien, tu n'as rien. Allez. Ça va. Viens, on est presque. Voilà le bâtiment des sciences. Ouais, on dirait que cet endroit a été soigneusement bouclé de l'intérieur. Viens, il doit bien rester un accès. T'es sûr que ça va? Ouais. C'est pas la première fois que je tue des mutants. Ouais, je sais. C'est juste que... Deacon, je vais bien. On y va. Allons voir cette porte, tu peux l'ouvrir? Non, elle est bloquée de l'intérieur. Contournons le bâtiment. Il y a sûrement un autre accès. Quelqu'un l'a scellé de l'intérieur, je te dis. Il vaut mieux vérifier, non? Ah, pas moyen. C'est pas grave, je suis sûr bloqué, qu'on va trouver... comme toutes les autres. Un autre accès. Oh merde! C'est quoi ce bordel? Attends une seconde, c'est les... des têtards. Ils sont à l'intérieur. Des têtards à l'intérieur, ce qui veut dire... Il doit y avoir un accès depuis le toit. Allons-y. Viens, le toit a l'air plus bas ici. Ouais... Reste à trouver comment monter. Sarah, par ici. Aide-moi à la pousser, on pourra s'en servir pour monter. Ok. T'es prête? Ouais. Ok, pousse. Oh
suffit, là? Ouais, ouais. Attends. C'est bon? Ouais. Bon, reste aux aguets. Les têtards peuvent être hargneux quand on entre sur leur territoire. Si seulement on pouvait éviter de tuer ces sept. Comment ça? La morveuse qui t'a poignardé? Ce n'est pas ce qu'on faisait. Aucun d'eux, c'est ça. Ça les empêchera. C'était le dernier. Ça t'a plu? Buter des têtards? Non, mais... tu dois bien avouer qu'ils sont casse-couilles! C'est le moins qu'on puisse dire. Donne-moi la main. D'accord. Doucement. Attention. Ça va. Je gère. Oh, comme si c'était pas si chiant comme ça. Il fallait qu'il pue. Essaie de vivre comme eux. On verra si tu sens la rose dans 2 ans. Sans façon. Où est-ce qu'on va? Essaie l'une de ces portes. On doit pas être loin du labo ou de la salle de conférence. La centrifugeuse doit être quelque part par là. Pas. Je vois ni impact de balle, ni signe de violence ou d'un assaut. De la ciguë. Putain. Par ici. C'est la centrifugeuse que tu cherchais? Oui. C'est ça. On y va. Ok. Merde. Faut croire que j'ai pas si bien caché la bécane que ça. Ok. Allons-y. Thank you.
vous aimer. Et une autre prime. Oh. Et merde! On aura difficilement mieux. On y va. Ok. Chercher la centrifugeuse. Ok, ok. C'est bon, je l'ai, fichons le camp. Là, il avait un sacré gros flingue. Ouais, j'avais remarqué. Il y en a d'autres, plein d'autres. Il faut dégager le passage si on veut atteindre la moto. Il te reste un ou deux fumigènes. Ouais. On a une bonne vue du parking d'ici. Regarde où je vais et lance les grenades devant moi. C'est d'accord? Compris. Allez, c'est parti.
Bouge pas, je te rejoins. Ça va bien? Si moi, je vais bien. Mais qu'est-ce que t'as? Oh, mais je sais pas. Je me souviens juste du jour où je t'ai rencontré, t'as tiré en l'air pour effrayer ces blaireaux, t'avais si peur que tu tremblais comme une feuille. Ouais, ben des tas de choses ont changé depuis. Ouais. Viens, fichons le camp d'ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ça? Ça veut dire quoi, ça? Écoute, je comprends. Tout a changé, les gens qu'on connaissait sont morts, mais ça explique pas. Ça explique pas quoi, Deacon? Pourquoi les machos du coin me surnomment la sorcière de Wizard Island? Écoute, je me fous de tout ça, moi. Il m'est arrivé exactement la même chose qu'au reste de la planète, Deacon. Ouais, ok, si tu le dis. Viens, allons par là. Après toi. J'ai le droit de te remercier. Non. Ok. Sinon, je tenais à ce que tu saches à quel point j'avais besoin de cet engin.
Qu'est-ce que tu veux? Non,